Alors, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce lundi, jour d'action de grâce, 10 octobre 2022, 11h, 11 du Québec. J'espère que vous allez bien. Merci d'être avec moi sur YouTube. Ceux qui sont abonnés, merci infiniment. Ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages vraiment toujours pertinents. C'est super apprécié. Le sujet des euh, ovnis, des civilisations anciennes, extraterrestres, n'est plus tabou. On en parle de plus en plus. Euh, je vous en parle régulièrement parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, dans lequel je suis complètement, euh, je peux vous dire, euh, enveloppé de la foi, de l'existence des extraterrestres. Et presque à toutes les semaines, des scientifiques se penchent là-dessus. On le voit, la NASA. D'ailleurs, j'aimerais vous rappeler que la NASA c'est une agence gouvernementale, comme toutes les autres agences gouvernementales spatiales, et que les agences gouvernementales ont tendance, selon l'histoire, à cacher des informations ou à manipuler des informations. Donc, on le sait, beaucoup d'agences, même de renseignement, ont des informations qu'on ne partage jamais. J'espère que je ne vous apprends pas ça, mais je pense pas, pas à, mon, euh, à mes abonnés. Je pense que vous êtes trop pertinent pour ça. Donc, on le voit autant la NASA, autant des scientifiques se penchent sur la question, le Congrès américain, d'autres parlements mondiaux. On a vu ce qui se passe avec les Russes aussi, beaucoup de dévoilements. De déclassification de documents en Chine, en France, concernant des observations. Multiples observations depuis longtemps. Donc, ce sujet-là, qui était comme tabou dans les médias de masse, est devenu maintenant chose commune. On le voit, beaucoup d'agences, aussi, euh, et de scientifiques envoient des sondes, envoient des messages dans l'espoir que civilisations les captent. On donne même notre géolocalisation dans l'espace, toutes les données sont là. Donc, il ne faudrait pas s'étonner que ça soit fait aussi à l'inverse et que ce soit déjà probablement chose faite pour ces civilisations qui sont probablement, selon tous les témoignages qu'on voit, beaucoup plus avancées que nous. J'ouvre une parenthèse tout de suite pour vous dire que j'aime ça vous partager des Capsule des documents d'autres chaînes. Là, j'ai mis la main sur un film vraiment fascinant qui concerne la Lune. Je vais vous revenir là-dessus. C'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Pour vous le résumer, puis je vous laisserai comme d'habitude dans la boîte de description le lien YouTube vers ce film-là qui parle de la Lune et de l'existence et de présence extraterrestre sur la Lune depuis longtemps, et même de la Lune comme étant non pas un satellite naturel mais artificiel avec. Beaucoup d'explications et très logiques et rationnelles et scientifiques, et les références dans les anciennes civilisations aussi, du temps où la Lune n'était pas là et que sa, sa présence daterait de pas si longtemps. Puis sa présence qui est venue bouleverser le, le climat sur la Terre, naturellement, avec euh, son influence, hein? Puis d'ailleurs, je vous donne juste quelques petites, euh, de, 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 de petits euh, euh, comment dire avant-goût de ce document-là. Euh, même des civilisations africaines disent que les femmes ont commencé à être menstruées. Avec l'apparition euh, de la Lune, on sait que la Lune a, et le cycle menstruel sont reliés, les marées aussi. Et que peut-être même le déluge pour Être lié à ça. Ben, je reviendrai, c'est fascinant ça, mais je reviendrai. Maintenant, comme je vous le disais, c'est chose courante. Là, on envoie plein de sondes à la recherche de vie. On a le nouveau télescope Web qui nous amène plus loin, apparemment, dans l'univers, où on peut voir la, une quantité énorme d'exoplanètes de, qui seraient similaires à la Terre avec. La possibilité de vie. Et là, il euh, j'arrive à ce lien-là que je voulais vous partager qui a été publié ce matin par le Daily Star qui nous dit, c'est publié euh, aujourd'hui, donc ça ne peut pas être plus frais que ça comme nouvelle, que des scientifiques pensent que l'existence de drogues festives dans l'espace indique la présence d'extraterrestres. Des scientifiques de l'Université de Californie à Riverside pense que l'existence dans l'espace d'oxyde nitreux, qui est une drogue de fête, hein, connue sous le nom de gaz hilarant, indique la présence d'extraterrestres. Les scientifiques pensent que l'existence d'une drogue de fête dans l'espace indique la présence d'extraterrestres. La présence d'azote, mieux connue sous le nom de whippets ou gaz hilarant, pourrait être un indicateur de la présence de vie sur d'autres planètes. Selon un article publié, par des scientifiques de l'Université de Californie à Riverside. Le nouvel article publié dans Astrophysics Journal suggère que le concept selon lequel l'espace pourrait être plein de la même substance que les terriens inhalent pour un high rapide pourrait également être un nouvel indicateur pour savoir si une planète est habitable ou non. Fascinant. Très, très fascinant. Moins de chercheurs ont sérieusement envisagé l'oxyde nitreux, a déclaré l'astrobiologiste Eddie Schwerterman dans un communiqué de presse, mais nous pensons que cela peut être une erreur de la part de ces scientifiques. Euh, Schwerterman et son équipe du département des sciences de la Terre et, de, et des planètes de l'Université de Californie Riverside ont calculé la fréquence à laquelle les organismes vivants produisent de l'oxyde nitreux. Mais puis ont saisi ces données dans un modèle planétaire. Ils ont ensuite déterminé que les exoplanètes habitables avec des atmosphères riches en protoxyde d'azote pouvaient être détectées par des technologies comme le télescope spatial James Webb. Wow! Bien qu'il existe certaines situations non biologiques qui produisent de l'oxyde nitreux, comme la petite quantité libérée par la foudre, l'équipe de l'université a tenu compte de cette possibilité dans sa modélisation et a noté que la foudre libère également du dioxyde d'azote qui pourrait également être détecté dans de, petites, de petits niveaux et utilisé pour exclure une planète. D'autres qui ont considéré l'oxyde nitreux comme un, une biosignature ont, comme le note le communiqué de presse, souligné que le composé n'existe pas en grande quantité dans l'atmosphère terrestre malgré les milliards et les milliards de formes de vie qui y y vivent. Mais Sweaterman a déclaré que les conclusions ne tiennent pas compte des périodes de l'histoire de la Terre où les conditions océaniques auraient permis une libération biologique beaucoup plus importante de ce produit. Donc, fascinant. Mais les conditions de ces périodes pourraient refléter la situation actuelle d'une exoplanète, a-t-il déclaré. Wow! Donc, on verra bien avec ce télescope qui nous offre une plus grande capacité d'aller... Euh, Collecter des données spatiales et l'équipe de l'université espère que ses collègues scientifiques commenceront à prendre au sérieux l'hypothèse de l'oxyde nitreux en tant que biosignature. Donc, voyez-vous, les scientifiques sont sur le dossier à longueur, longueur d'année maintenant et euh, on va en entendre parler maintenant quotidiennement de cette possibilité. Hein, que les scientifiques maintenant considèrent comme vraiment euh, réels de l'existence d'une vie ou de plusieurs types de vie extraterrestres. Donc je vous reviens avec euh, l'autre histoire, le document ou le film, c'est plutôt comme un film qui est vraiment bien fait qui rassemble toutes les théories de la lune qui serait un satellite artificiel même euh, la lune selon même beaucoup beaucoup de tests serait creuse. En tout cas, je reviens là-dessus, c'est fascinant. À plus, puis si on ne se revoit pas aujourd'hui ou c'est demain, ben bonne action de grâce.